On ne vous a pas tout montré. Voici un extrait du spectacle qu'a offert Madonna hier soir pour le premier de ses trois concerts à Paris, la version musicale de son album à fantasmes sous l'œil intéressé de Luc Bassissa. La blonde platine pianote sur les corps de l'armée de garçons et de filles qui l'accompagnent sur scène. Pour Madonna, jouer de la musique, c'est aussi jouer avec son physique. À 35 ans, Madonna mène sa troupe au doigt et à l'œil, sadomasochisme, toutes les variations de la soumission et de la domination, voyeurisme, Madonna n'a pas manqué à sa réputation de provocatrice. Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. Une vingtaine de chansons issues de son album à fantasmes, les 15 000 spectateurs présents hier soir au Palais Omnisports de Paris-Bercy ne semblent pas du tout avoir été choqués. Et pourtant, un député conservateur allemand vient de demander d'interdire aux mineurs son prochain concert en Allemagne pour obscénité. D'autres dénoncent ses orgies sexuelles. Non, je dis on aime ou on n'aime pas, mais ça ne laisse personne indifférent. Oui, certes. Et puis vous avez vu ses collègues de bureau aussi. États-Unis et qui nous revient en France. Madonna a donné hier soir à Bercy le premier de ses trois concerts. Toujours les mêmes ingrédients. Il tourne autour du sexe. C'est le nom de son dernier livre, Erotica, le nom de son dernier album. Un spectacle inspiré de cabaret de Bob Fosse.